Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Scoop. C'était donc David Christie, Saddle Up. Je vous annonçais donc une émission spéciale. En effet, c'est une émission spéciale puisque nous ne l'avons pas prévue et nous l'avons organisée un peu au dernier moment et vous nous en excuserez. En tout cas, une émission qui va être sûrement intéressante puisque nous accueillons dans le studio quatre jeunes Allemands qui viennent exactement de Bavière et qui sont actuellement sur le Valmobué, exactement à Torcy, dans le cadre donc d'une sorte de jumelage à vocation pédagogique, donc entre leur lycée et le CES Louis Aragon de Torcy. Mais je laisse tout d'abord à ces quatre jeunes, n'est-ce pas, de se présenter. Alors, j'ai à mes côtés, à ma droite, les deux garçons de l'équipe. Et notamment Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Et puis à côté il y a... C'est Michel, c'est bien ça? Bonjour, j'ai là. Bonjour Michel. Et puis donc à ma gauche j'ai les deux filles de l'équipe, c'est-à-dire Babsi. Allô. Et Angelica. Salut. Voilà, alors donc nous avons ces quatre jeunes Allemands. Alors le but de l'échange, me semble, c'est d'approfondir avant tout une méthode d'enseignement qui a été innové par leur professeur. Alors, leur professeur s'appelle Jean-Paul Martin. C'est bien ça? C'est bien Jean-Paul Martin, hein, votre professeur? Oui, c'est ça. C'est donc votre professeur de français dans le cadre de votre lycée. Alors, comment ça s'est passé la première fois que vous êtes arrivé dans la famille? Vous avez été reçu à... vous connaissiez déjà la famille? Vous avez déjà écrit à cette famille? Ou c'était comme ça? Vous êtes arrivé pour la première fois? Oui, elle a été déjà chez moi et le reste de la famille, je n'ai pas connu. Mais elle a beaucoup de frères et de sœurs. D'accord. Et alors, comment ça se passait? Alors, vous avez eu... Il y a de grandes différences, par exemple, au niveau, par exemple, de choses quotidiennes, de la vie quotidienne, au niveau de la nourriture, etc. Vous êtes bien adapté à ce niveau-là? Oui, ça va. Vous aimez la cuisine française, oui? Ça vous plaît? Oui. Il y a des grandes différences entre la cuisine française, la cuisine, du moins de Bavière, là où vous habitez? Quelquefois. Quelquefois, oui. Mais ça se passe bien? Oui. D'accord. Bon, ben maintenant, je crois qu'on peut passer à une étape. Donc, la première année, si j'ai bien compris, c'est la connaissance de la famille. Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes revenu deux fois de suite. Et alors, la deuxième fois, ça a été l'année dernière, c'est ça? C'était l'année dernière. Et alors, deuxième année, vous avez un autre objectif. C'était de connaître la ville et l'environnement dans lequel vous étiez. C'est-à-dire, finalement, de découvrir plus en profondeur la ville. Alors, ça vous a appris beaucoup de choses? Vous connaissiez un petit peu le coin? Oui. Pour connaître ça, nous avons fait des interviews du professeur du CES, des interviews avec des lycéens, tout ça. Vous avez, comme des journalistes, quoi. Vous avez pris un micro, vous êtes allé faire des interviews, hein. C'est bien ça. Et quelles arten von Strukturen, also so Sportplätze und Schwimmbäder und. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas quoi faire dans leur temps libre? Oui, parce que à Torcy, il y a beaucoup de jeunes qui ont 14, 15 ans, 16 ans et qui cherchent du travail et qui ne veulent pas aller dans les maisons pour tous, pour les jeunes, comme vous avez vu déjà peut-être, qui restent au café et qui ne savent pas quoi faire effectivement de leurs loisirs. Alors, pour ces jeunes, nous avons pensé à un projet pour qu'ils puissent avoir un lieu pour venir le dimanche, le soir, le mercredi, puisque le mercredi, chez nous, il n'y a pas d'école. Ah, oui. Et c'est donc un projet un petit peu spécial pour que les jeunes puissent trouver un local qu'ils puissent s'approprier. Oui. Pour venir faire de la musique, réparer les vélos moteurs, pour bricoler l'électronique. Ah, oui. Et nous avons pensé à un endroit un petit peu original, qui sont ces châteaux d'eau là. Et ces châteaux d'eau sont normalement démolis dans quelques temps.
Et moi, j'ai pensé, en tant que maire adjoint chargé de la jeunesse à Torcy, de proposer ce local pour que les jeunes puissent avoir un local à eux. Voilà. Est-ce que les jeunes font tout ça tout seul? Elles construisent ça tout seul? Oui, c'est-à-dire que pour que ce soit vraiment leur local à eux, je crois qu'il faut qu'ils participent à la construction de ce local. Alors à l'intérieur, il y a de la menuiserie à faire, de l'électricité, de la plomberie pour l'eau, etc. Et il faut que ce soit leur projet. C'est-à-dire que nous, nous n'avons pas de programme à leur proposer. Oui. Il faudra que ce soit entre eux qu'ils définissent leurs besoins. Voilà. Et vous voulez peut-être aussi savoir comment ça va fonctionner après? Oui. Hein? Alors après, il y aura un animateur qui sera responsable du local et qui aidera les jeunes à faire leurs activités de musique, de mobilette, de la lecture, etc. Et à quel temps ça va être fini? Alors, on espère démarrer l'année scolaire prochaine. Ah oui. Et pour l'été prochain, normalement, ça devrait être fini. Monsieur Pierre Sion, vous êtes maire adjoint à l'urbanisme. Pouvez-vous nous expliquer, suivant quel principe, la ville nouvelle de Torcy a été conçue? Oui, en fait, il ne s'agit pas de la ville nouvelle de Torcy, mais de Marne-la-Vallée. Et Torcy est compris dans cette ville nouvelle et fait partie des nombreuses communes, une cinquantaine environ, concernées par le périmètre de la ville nouvelle. Torcy fait partie des six communes du Val-Montbué, une des composantes de cette ville nouvelle. Il faut savoir que dans les années 1970, la région parisienne... Dans la région parisienne ont été créées cinq villes nouvelles autour de Paris pour organiser un petit peu le développement de l'agglomération parisienne. Ces villes nouvelles ont été fixées à une certaine distance de Paris, généralement le long de grands axes ou de voies privilégiées. Et en fait, il s'agissait d'accueillir les gens de province qui venaient habiter sur Paris. Alors pour ce qui est de Marne-la-Vallée, dans laquelle se trouve Torcy, il s'avère qu'il y a eu une opportunité de terrain libre, à une certaine période, une grande chocolaterie qui était connue sur le plan européen et qui est maintenant reprise par Rowntree McIntosh, un groupe anglais, s'est effondré. Ses affaires financières ne marchaient pas et il était propriétaire de beaucoup de terrains dans tout le secteur. Et une agence créée spécialement, enfin, l'agence foncière et technique de la région parisienne s'est rendue acquéreur des terrains. Et ce qui a fait qu'effectivement, il a été possible sur ces terrains d'envisager l'aménagement d'une ville nouvelle. Croyez-vous que les gens qui habitent dans la ville nouvelle se sentent bien? Donc, je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec les bois, les plans d'eau, l'environnement, le bord de Marne, cette ville nouvelle est agréable. Pardon, madame, nous sommes des Allemands. Et voilà une voiture. Une enquête. Comment les gens se sentent ici? Alors, pouvez-vous nous répondre à quelques questions? Oui. Alors, vous habitez où? Dans un quartier voisin, à Torcy. Oui. Un quartier voisin de l'Arche Guédon. Oui. Et vous habitez depuis quand, Torcy? Depuis 30 ans, j'habite Torcy, et depuis 5 ans, un quartier neuf. Oui, et vous sentez comment? Difficile, enfin, je me sens bien parce que je connais Torcy depuis très longtemps. Mais je pense que si je connaissais pas Torcy, si j'étais arrivée dans ces quartiers neufs, je ne m'y sentirais pas trop bien. Oui, et est-ce qu'on trouve du contact
contact facile aussi. Moi, je vous dis, ça fait très très longtemps que j'habite Torcy, donc je connais beaucoup de monde à Torcy. Mais justement, quand on arrive, je pense pas que les contacts s'établissent facilement. Vous vous sentez bien ici? Bon, c'est des villes nouvelles, hein. C'est un peu dur. Surtout quand on arrive de la ville, quoi. Mm-hmm. Ça fait un peu isolé. Oui, il y a des choses spéciales. Des activités? Oui, il y a pas mal d'activités. Il y a la piscine, il y a de la gymnastique, il y a une bibliothèque, il y a du cinéma. Je voulais demander s'il y a quelque chose de spécial qui vous gêne. Qui me gêne ici? Si, l'isolement, point de vue le transport. Ah oui. Et assez loin quand même de la ville. Il mm-hmm. n'y a pas beaucoup de magasins, pas beaucoup d'animation. Oui, et est-ce qu'on trouve du contact facile? Non. Ici, les gens sont chacun chez eux et très différents de certaines régions de France. Puisque moi, je suis de la Provence, je viens du soleil. Et on a du mal à s'adapter ici. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Noisiel, là, c'est à 200 mètres du marché. Là. Et depuis quel depuis, temps? Depuis 10 ans et demi maintenant. Et vous sentez bien? Oui, là très bien, oui. Et... On s'habitue bien à la ville nouvelle. Maintenant, on a tout sur place, les commerces, les écoles, le RER. C'est assez près de Paris, finalement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de contacts entre les gens? Oui, oui, quand même, oui, oui. Il y a pas mal d'activités de toutes sortes, loisirs, sports, cinéma, spectacles. Ici, surtout, il y a pas mal de spectacles, il y a piscine, gymnase, tout ça. Enfin, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Hein. Ce décor, cela? Tout d'abord, ce n'est pas un décor, c'est une réalisation immobilière avec des logements qu'on appelle sociaux d'un côté, c'est-à-dire ces logements-là, et des logements en accession de l'autre côté. Pourquoi une telle ampleur à ce bâtiment? C'est parce que ce bâtiment se trouve être à la pointe de la ville par rapport à Paris. Et donc on a voulu marquer cette avancée de la ville vers Paris par un bâtiment plus important que les autres qui puisse montrer qu'ici on se trouvait à la porte de la ville nouvelle. Mais je réfute le mot décor. Ce n'est pas un décor, ce sont des bâtiments avec une certaine architecture qui bien sûr sont décriés par les uns et encensés par les autres, mais qui correspond à une volonté d'urbanisme et d'architecture. Les gens ici, ils se sentent bien? À ma connaissance, les gens sont bien. Les gens qui se trouvent de ce côté-là ont acheté leur logement. Donc c'est une volonté de leur part d'habiter ici. De l'autre côté, ce sont des gens qui sont en location, c'est-à-dire qui ne sont pas là définitivement, mais qui ont eu l'occasion d'avoir un logement dans cet ensemble. Quant à la partie supérieure de l'ensemble de l'immeuble, il est, lui, en accession également, c'est-à-dire que les gens ont acheté. Donc tous les gens qui ont acheté dans cet immeuble ont fait preuve de volonté pour venir habiter ici, et donc ils sont venus de leur plein gré. Et quelles ont été les idées des architectes? Les idées des architectes, en fait, ça a été, je vous l'ai dit en partie tout à l'heure, de mettre une tête de pont vis-à-vis de Paris, c'est-à-dire une avancée de la ville vers Paris, et également de recréer, comme le nom l'indique, un théâtre. Une partie théâtre, un peu à l'ancienne, de ce côté-là, et d'autre partie, le côté palais, ce qu'on appelle le palatio, et le théâtre. L'idée, c'était de
de l'ensemble de cette opération, de pouvoir organiser le tout sur une espèce de scène avec un arc de triomphe qui est cette partie-là. Donc, le palazzo, le palais, l'arc de triomphe et la liaison avec le théâtre. Ici de dehors, ça ressemble beaucoup à une université ou une bibliothèque. Et comment on a eu l'idée d'avoir de faire des appartements dedans? Partons à l'envers. Ça a toujours été, ça a été prévu pour faire des appartements. Ce qui vous donne cette idée de bibliothèque, c'est probablement l'architecture qui est un peu solennelle. C'est le choix d'un architecte de renom qui construit de cette manière. Je pense qu'on a choisi cet architecte à cet endroit-là, parce que c'était un peu dans le cadre de l'urbanisme de ce quartier, la fin d'un espace public, et on voulait marquer un peu de solennalité, d'une manière un peu plus particulière, cet espace au bout d'un grand mail piétonnier. Oui, est-ce que tout le monde peut venir ici ou c'est plutôt pour les gens riches? Les logements, suivant les disponibilités financières des gens qui cherchent un logement, ils peuvent chercher à acheter leur logement. À ce moment-là, il faut qu'ils aient quand même un peu d'argent disponible et qu'ils soient un peu plus aisés. Mais il y a aussi beaucoup d'appartements en location auxquels peuvent accéder des gens beaucoup moins aisés. Ici, il y a des deux, et des locatifs et des accessions. Mais même les accessions en ville nouvelle et dans cette ville qui est à l'est de la région parisienne, ce ne sont pas les gens les plus riches qui viennent habiter. Les gens plus riches préfèrent habiter l'ouest de la région parisienne ou dans Paris. Et comment l'infrastructure? Comment sont les infrastructures? Ici, c'est bien desservi en liaison forte avec Paris par l'autoroute qu'on voit là. Et le réseau de transport express de la région parisienne ici. Il y a une station de RER qui dessert ce quartier à moins de 10 minutes à pied de ce côté et 10 minutes à pied de l'autre côté sous cet immeuble. On peut aller à Paris en 20 minutes, en un quart d'heure, 20 minutes au centre. Wirklich.
sehr intensiv ein paar Tage mit der Architektur, mit dem städtebaulichen Konzepten befasst. Was mich jetzt interessieren würde, als Zusammenfassung, beziehungsweise wenn Sie hier jetzt nach Eichstätt zurückkommt und jemand fragt, ja, wie ist das, das? Was ist das da, diese Ville Nouvelle, dieses Torcy? Ja, es ist also eine neue Stadt, die dazu gebaut worden ist, also Bonjour. Vorort. Bonjour, monsieur. 5 cafés, s'il vous plaît, des petits cafés. Hein? D'accord, petit, ok. Petit, d'accord, merci. Es sind halt neue Vororte, die dazu gebaut worden sind, damit die Leute, also vor Paris, leben können. Ja gut, aber was, inwiefern unterscheidet es sich von neuen Vierteln? Ich meine, was ist da besonders interessant dran? Weil ich habe euch ja hingeführt, gerade weil das so spannend ist. Es soll eben zeigen, dass man auch irgendwie was Außergewöhnliches mit so großen Wohnhäusern machen kann. Also insofern ist es schon interessant, da, gerade dahin zu gehen und sich mit dieser Stadtstruktur zu befassen. Meinst du das? Meinst du, dass du was da irgendwas Neues erfahren hast, gelernt hast? Was ist vielleicht, ja? Bei uns, das sind mehr so normale Vierecke der Kästen oft und hier versuchen die eben doch also ein neues Ding zu machen, sodass das eben auch was Art Kunst ist. Ja. Und dass es auch schön zum Anschauen ist. Genau, das ist fast, das ist ein Wohnhaus, das ist fast wie so ein Denkmal oder sowas. Ja genau, das hat uns ein bisschen gestört vielleicht, gerade dass die daraus Kunst machen wollen und dass die Menschen sich vielleicht weniger wohlen fühlen. Also das ist das, was uns so bewegt hat, habe ich den Eindruck. Oder habt ihr andere Erlebnisse? Vor allem diese Woche hat euch vielleicht erlaubt, etwas tiefer in die Materie einzudringen. Was ist das stärkste Erlebnis vielleicht vom Ganzen oder das Fazit praktisch von diesen 8 Tagen? Markus, was würdest du sagen? Draußen ist es fast schöner, weil da doch mal, sie haben doch versucht, mit Grünanlagen das Ganze doch zu verschönern. Und ich meine, da erinnert sich auch nicht, die Luft auch nicht das Beste. Ja, also, also das heißt, im Grunde ist es ein Erfolg. Wenn das, was draußen steht, interessanter ist oder wohnlicher, anziehender ist, als was da drinnen ist. Alors, ce départ, c'est demain? Oui, c'est demain. Et vous êtes contente de partir? Non, non. Nous sommes tristes. Pourquoi vous êtes triste? Parce qu'il y a eu des liens très, très forts entre les Français et nous, et les familles et tout. Et vous aussi? Ouais. Pour moi, c'est... Je suis très triste parce que pour moi, c'est la dernière fois que je viens ici. Parce que l'année prochaine, je travaille et je n'ai pas la possibilité d'aller ici. Alors, quel est le souvenir marquant que tu vas ramener en Allemagne à la suite de tout ce voyage? Que les gens sont d'autres que je pose avant. Mm-hmm. Et que la vie dans la famille est pareil, un peu pareil, mais pas beaucoup. Tu as retrouvé une ambiance familiale alors? Oh, oui, très, oui. Oui. Mm-hmm. Stéphanie, ma correspondante, mm-hmm. a 2 petits frères et la mère fait comme. Comme chez toi. Ouais. Tu as retrouvé l'ambiance que tu pouvais avoir chez toi? Oui, un peu, mais pas beaucoup. Mmh. Mmh. Et toi, Marion, ce souvenir marquant? La famille était très gentille et c'est la plus importante mmh. pour moi. Ouais. Chez moi, c'est un peu la même chose que chez mmh. Papsi. La famille, c'est très naturel mmh. et quand je viens, ouais.
c'est la même chose qu'à la maison, mm-hmm. peut-être. Mais c'est peut-être un peu d'autre chose parce que les parents, c'est, ils sont un peu stricts. Ah, c'est sévère un peu. Parce que il faut être à la maison vers 10 heures. Mm-hmm. Et à la maison, chez moi, c'est pas ça. Oui, ouais, c'est-à-dire qu'ils ont réagi face à toi comme avec leurs enfants, en fait. Est-ce que tu as eu d'autres liens aussi forts avec d'autres gens que ceux de la famille? Nous avons joué au football le soir et on parle beaucoup avec des autres Français et des amis là-bas. Mm-hmm. Oui, c'était bien de jouer au football et parler. À la fin de l'échange, au Schrödwisba, il y a une soirée. Et dans ce boom, c'est avec les correspondants et les familles et les amis que nous avons rencontrés. C'est la fin.